Salut les abonnés, ici Fan de Chapon et nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise. Un tuto concernant les zénis, comment obtenir facilement en l'espace de 10 à 15 minutes, tout dépend du chemin que vous prenez. Je vais vous montrer le chemin le plus optimal, obtenir 300 000 zénis. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve après notre du bateau. Glou glou glou. Donc mon tuto va se concentrer surtout sur le grand camp, mais vous pouvez aussi le faire en novice au niveau d'Astera, enfin du village directement, qui revient au même. Donc moi ce qui m'intéresse là, voilà, donc on va prendre expert, que ce soit expert ou novice, c'est le même chemin, sauf qu'en expert, vous aurez plus de monnaie, donnez la monnaie, manie. Donc voilà, il faut aller dans l'expert, expédition, très important. Donc on va faire les cavernes de lave, qui pour moi est le chemin le plus optimal, le plus rapide, et qui ne nécessite pas de temps d'attente, et que vous avez voilà, vous avez de quoi vous faire des honneurs. Voilà, donc on va faire elle pour voir. Voilà, c'est là, bonus minerai, voilà, je l'ai encadré exprès. C'est ceci qui nous intéresse, c'est ceci qui va nous tripler notre mine. Je veux dire que quand on mine, généralement, on a entre 1 et 2 minerais du même, avec une liste machalite, etc. Et bien là, on en aura 3 d'affilée. Donc, voilà, on accepte la quête, on a les minerais. Je vous conseille quand même de manger pour avoir au minimum de l'endurance. Le reste, après, vous pouvez aussi avoir, si vous avez de la chance et que vous avez ici dans les commandes d'Ango le nom de récompense, ça, on peut prendre. Hein, ça reste intéressant. Mais après, ici, des fois, vous pouvez avoir collecteur. Voilà. On monte la qualité. C'est l'autre qui nous intéresse, c'est le collecteur pour tout ce qui est site d'apparition, qui ça va être divisé par deux et tout. Donc voilà. Après là ici, honnêtement, je prends au pifomètre moi. Voilà, c'est juste pour avoir de l'endurance. Donc voilà, on va couper leur cinématique là du. Donc on va lancer la quête, voilà. Donc une fois la quête lancée, direct vous prenez votre caniche. Moi j'appelle ça un caniche parce que généralement il est têtu, il a du mal à suivre et puis tout. Donc je sais pas, et c'est pareil pour vous. Donc on prend les piou-piou, voilà, qui sont ici. Et si vous voulez aussi des chemins optimales pour récupérer les oiseaux, les petits piou-piou comme j'appelle ça, pour la vie, l'endurance et puis tout, n'hésitez pas à le dire parce que j'ai des chemins aussi très optimales et puis tout. Donc là voilà, vous montez ici pour aller au niveau entre le camp 1 et 4. Hop, on reprend notre caniche, allez viens là. Hop, ici, vous avez donc le premier minerai. Ici, clac, voilà. Donc là, vous voyez, 3, 3, 3, alors que d'habitude, généralement, c'est 1, voire 2 maximum. Que là, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un petit dash avec votre tuto, votre sac à puce. Hop, un deuxième ici. Voilà, donc en fait, on va miner maximum une quinzaine de minerais. Ici, on descend. Voilà, hop, on va là. Ici, il y en a un autre, vous voyez, à chaque fois, pierre de lave qui est le plus dur à trouver, là, 3 en un coup, voilà, c'est quand même donné. Là, voilà, hop, on monte ici, et là, après, il y a deux chemins qui varient, mais moi, je trouve que celui qui monte là, voilà, qui monte là, est un peu plus long. Donc, moi, je vise l'optimum, c'est-à-dire le chemin le plus rapide. Là, on descend ici, voilà. Moi, je vise pas la quantité, salut toi, mais de 2, surtout, c'est la rapidité. Donc, là, ici, notre quatrième, oui, c'est ça. 1, 2, 3, 8, 4ème là, ici, voilà. Hop, toi, casse-toi de Rouigui, t'es moche comme un cul de singe. Hop, voilà, voilà, voilà. Notre 5ème qui va être ici, voilà. Et après, vous allez voir. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il va falloir aussi débloquer, si vous n'avez pas déjà fait, le camp numéro 2. Le camp numéro 2, c'est le plus urgent. C'est le plus, on va dire, important qui va vous permettre de pouvoir maximiser le tout. Merci, mon petit pipiou. Hop, voilà. Donc, ici, voilà. Vous montez, vous montez, vous montez par ici. Hop. Et voilà, tac, ici, voilà. Là, ici, on descend de son caniche. Zou, on récupère le plus petit au poste. De toute façon, on le récupère systématiquement. Hein. Hop, on va ici. Déjà, là, vous en avez un. Et on se dit, bah, après, on redescend. Nanana, regardez, ici, là-haut. Tout le monde le sait pas, j'ai remarqué. Ici, voilà, il y a une petite caverne. Là, hop, voilà. Ta 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 ta. Hop, on arrive ici. Voilà, là, vous avez deux minerais, enfin, côte à côte, et encore deux autres un peu en hauteur. Donc là, ici, voilà, carvalite, fusion, pierre de feu. Hop, là, on incline. Hop, on balance son grappin. On balance son grappin. Je t'ai pas dit de quoi non plus sur les murs, grand couillon que tu es. Là, nous en avons un. On va attendre qu'il y en ait un qui se recharge. Hop, ici, voilà. Une fois que c'est fait, on se téléporte au campement 2. Très important, campement 2. Pas le 1 ni le campement principal, le campement 2. Comme ça, voilà, hop.
On se retrouve donc ici. Et si jamais vous n'avez pas débloqué, vous pourriez regarder sur ma carte. Je vais mettre vite fait en détaillé. C'est ici, voilà, en hauteur, voilà. Au niveau du 6 à 7, voilà. Donc là, on va par ici, voilà, là, là, là. Donc pas la peine de dash, hop, on saute. Tac, ici, voilà. Le but, c'est de rallier à... Et nanana. Voilà, hop, ici, voilà. Bon, des moments, le perso, il fait un peu n'importe nawak. Donc, voilà, hop, ici, nous avons un autre gisement. Tac, hop, on descend là. Et là, on va pas se diriger par là, on va se diriger dans le fond, voilà, plus entre ces deux petits pylônes là. C'est pour moi le chemin qui va, hop, on descend de son caniche, hop, on monte, on monte, on monte, on monte. Là, on peut le rappeler aussitôt comme ça, il va nous permettre d'économiser du temps. Hop, ici, voilà. Et ici, il y en a un autre gisement. Hop, voilà. Et ici, ce sera notre avant-dernier, oui, c'est ça, notre avant-dernier gisement. Tac, 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 ici, voilà. Hop, on récupère les petits pioupous comme toujours entre temps, hein, ça c'est pas... Là, ah, mais je t'ai dit de monter, caniche, mec, non, de... Caniche, allez, merci, voilà. Et ici, bon, celui-ci est un peu plus technique, donc je vais prendre vite le temps. Il faut pas viser ici, voilà, donc là, attendez, là, mais au-dessus, voilà, donc là, il y a des... on saute du caniche, on balance un hélicoptère, on fait B, on rebalance un hélicoptère, enfin on fait B, et voilà, ça c'est bien B. Et là ici, voilà, donc on est au-dessus, regardez, voilà, on est bien au-dessus ici. Et là, on a fini notre petit tour, voilà, donc après on fait Y, hop, campement principal, on se téléporte. Et généralement, le temps que vous fassiez ce petit chemin avec votre caniche en mode dash et puis tout, vous devrez peut-être attendre. Ah oui, et le second conseil, c'est de temps en temps, vider votre inventaire dans le campement. Quand vous en avez fait deux passages, n'hésitez pas à faire un petit tour au campement pour à nouveau vider votre personnage de tout le reste. Au bout d'un moment, vous allez être plein et donc vous allez perdre de l'efficacité. Donc moi, avec ce chemin, j'ai réussi à aller jusqu'à 5,5 en faisant que du dash avec le toutou. Hein. Vraiment, faire que les minerais, que du dash et puis tout, donc voilà. Et après, avant que la carte se mette à jour, attention, quand la carte se met à jour, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir la quantité de 3-3-3-3, mais vous aurez une quantité classique, donc de 1-1-1, généralement. Voilà, donc vous voyez, des fois, j'attends pas. Des moments, vous pouvez peut-être attendre d'une douzaine de secondes pour récupérer, par exemple, les différents gisements miniers en fonction du times que vous aurez mis, mais généralement, vous voyez, là, j'attends pas, en fait, là, vous voyez, c'est chemin le plus rapide. Et le temps que j'ai mis, vous avez vu le chronomètre, hein, même pas 6 minutes, ça, ouais. Ah non, non, Magda, casse-toi, casse ta grand-mère, toi. Merci, j'ai fait que passer, casse-toi. Voilà, hop. Donc vraiment, le chemin, donc 6-12, allez, on va dire 18 minutes en une quinzaine de minutes en faisant un arrêt au stand campement. Vous voyez, vous en avez assez rapidement, donc c'est quand même relativement classique. Donc on se retrouve directement, Astera, une fois que moi j'ai fini mon petit tour, parce que j'ai aussi en profité quand même pour récupérer des minerais et tout. Donc pour vous montrer combien j'en ai récupéré et combien est-ce que je peux me faire. Sachant que ça varie en fonction des gens. Généralement, ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est la pierre de lave. Mais on va voir avec vous qu'est-ce qui est le plus intéressant. Qu'est-ce qui donne le plus. Mais c'est les pierres de lave. Après, c'est la carbalite, après, c'est la dragonite, il me semble, dans cet ordre. Voilà, il y a eu un faux mise à jour, comme vous avez pu voir. Enfin, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, parce que le temps que je reprenne l'enregistrement. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous faites un faux quête. Et le bonus qu'on avait de minerai, c'est capouille, c'est salut. Maintenant, c'est bonus miel. Donc, quand, comme vous avez pu le voir, on était à 3 sur chaque, hein, que ce soit pierre de lave, dragonite, etc. Et donc là, on ne sera plus sur 3. Donc, je vais vous montrer vite fait sur ce minerai-là. Puis après, je vais rentrer parce que tout simplement, ma session sera terminée. Voilà, ici. Voilà, le gisement minier. Voilà, on en a 1-1-1. Voilà. Voilà la différence, donc on triple notre école généralement automatiquement avec le bonus, donc on va rentrer en ville. Voilà, on se retrouve dans l'espace de vente, moi j'ai un petit préférence pour le chat, parce qu'à chaque fois c'est... Ça me fait rire. Donc voilà, on va vendre, donc depuis le coffre, attention. Et donc là on va se mettre au niveau du minerai. Donc voilà, donc regardez, 860 zénith par pierre de feu, sachant que j'en ai quand même récupéré plus d'une centaine. Donc je vais les vendre, voilà, donc comme vous pouvez voir, regardez déjà... Voilà, là je suis à 100 000 zénir, 108 300 pour 126. Donc, ce rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Bon, les pierres de là, forcément, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est le plus rare à récupérer. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je garde une trentaine maximum, parce que après, le reste, ça ne sert à rien. Donc voilà, vous voyez. Donc là, après, 680 zénir, donc ça, c'est un peu intéressant. Et 1000 pour le fusium. Donc, le fusium. La pierre de lave, ce sont les plus intéressants. Après, on a la carbalite. Et après, la pierre de lave. Donc, nous avons, en plus intéressant, pierre de lave, fusium,
pierre de feu et carbalite, voilà. Et on a aussi après, mais voilà, la dragonite, mais ça vaut pas grand chose, donc 480. Mais c'est déjà ça, donc vous avez pu voir qu'on fait quand même énormément d'argent, donc en très peu de temps. Et donc des fois il se peut que, quand on refasse par exemple une expédition à nouveau, qu'on regarde à nouveau, est-ce que je vais avoir la chance? Non, voilà, ça aura m'a étonné aussi. Donc des fois on a les bonus à nouveau du minerai qui apparaissent par exemple deux fois de suite, moi c'était mon cas. Donc voilà, après tout dépend de la chance que vous avez ou non. Donc on sort en temps pour les contre-dus. Donc voilà, à noter que Laurent Expert offrira le plus de monnaie. Mais si vous êtes en rang novice et que vous avez besoin d'argent pour faire votre stuff, pour améliorer votre équipement et passer en expert, vous pouvez aussi. Hein. Mais ça rapportera un petit peu moins, ça rapportera pas par exemple de la pierre de l'œuf, vous n'en aurez pas, ni de machin, ni de dragonite, enfin de fusium et de carbalite. Enfin, vous n'aurez pas ces trois minerais là. Mais ça peut rapporter quand même, donc si vous êtes expert. Et surtout, bonus de minerai, c'est le plus important. Si vous avez aussi la cuisine, par exemple, qui vous offre, bah, le permet de maximiser puis tout le récolte, n'hésitez pas à prendre avec le plat du jour. C'est un duo gagnant, on va dire. Raisin d'aide, donc là, non, voilà. Ça nous intéresse pas, mais voilà. C'est celui-ci, des fois, qui peut être intéressant, parce que regardez. Réduit les délais entre les apparitions de sites de collecte. Donc c'est celui-là, le raisin d'être, voilà, donc que je cherchais tout à l'heure le nom, qui est le plus important aussi, qui va vous permettre de récupérer beaucoup de minerais et donc beaucoup de monnaie. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon chemin, et si vous voulez que je vous fasse un petit cheminement dans toutes les zones, des différents piou-piou. À plus tard!